Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Yo les gars, c'est Bygame, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, comme vous l'aurez vu au titre ainsi qu'à la miniature de la vidéo, on va tout simplement parler des meilleurs paramètres Fortnite pour les joueurs manettes. Donc avant d'entamer le sujet de la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que d'activer la cloche de notification et de mettre un like, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir les gars, je compte sur vous. Et donc voilà les gars, c'est parti, on va tout de suite enchaîner avec les meilleurs paramètres Fortnite pour les joueurs manettes. Donc voilà les gars, nous voici dans le jeu, donc je vais vous montrer un petit peu mes paramètres. Donc après, tout ce qui est sensibilité les gars, faut savoir que c'est totalement personnel. Selon vos choix, votre manière de jouer, etc. Voilà, c'est pas parce qu'un tel, par exemple, je sais pas, Texi a une sensibilité basse qu'il faut mettre une sensibilité basse. Voilà, la sensibilité, les gars, c'est totalement personnel. À part sensibilité de construction, je vous conseille de la mettre assez élevée. Moi, elle est à 1,7 parce que ça vous permet de construire beaucoup plus vite. Et la sensibilité du mode modification, je vous conseille aussi de la mettre un peu plus élevée que de base. De base, elle est à 1. Et voilà, je vous conseille de l'augmenter un petit peu. Voilà, ça va vous permettre de modifier plus vite. Ensuite, les gars, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sprinter par défaut, moi personnellement, j'ai mis 8. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le joystick pour sprinter. C'est beaucoup plus simple. Voilà, vous avez juste à maintenir votre joystick vers l'avant. Ensuite, toucher pour fouiller et interagir. Voilà, personnellement, j'ai mis 8. Alors c'est un petit temps d'adaptation aussi, mais voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, par exemple, quand vous fouillez un code, vous n'êtes pas obligé de rester appuyé. Vous allez juste taper une fois sur carré, ça va maintenir tout seul. Donc voilà, c'est beaucoup plus agréable pour jouer, beaucoup plus simple. Ensuite, appuyez une seule fois pour viser, vous ne touchez pas. Réinitialiser la construction choisie, la structure choisie, pardon, c'est mieux de le mettre aussi. Voilà, comme ça, quand vous rentrez en mode construit, c'est directement sur le mur, c'est plus simple. Ensuite, aide à la vider, forcément, vous mettez oui. Viser assistée en mode modification, je vous conseille de l'enlever, c'est beaucoup plus facile de modifier sans. Construction turbo, les gars, important, mettez oui. Comme ça, voilà, c'est que si vous êtes en mode spécialité construit, si vous êtes en mode spécialité combat, ça sert à rien de le mettre. Mais construction turbo, comme ça, voilà, quand vous sélectionnez un mur, un escalier ou quoi, vous ne serez pas obligé de le sélectionner et après d'appuyer dessus, voilà, ça va le sélectionner directement. Ensuite, course automatique, voilà, laissez-le activer. Autoriser groupe multiplateforme, voilà, ça c'est selon vos envies. Ouverture auto-déporte, les gars, moi j'ai mis 8. C'est un petit temps d'adaptation, mais c'est beaucoup plus simple pour jouer. Comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur carré pour ouvrir une porte. Après, voilà, faut s'habituer, clairement, faut s'habituer. Ramassage auto-désarme, je vous conseille de mettre non, même si ça peut être utile. Moi, il fut un temps où je l'ai mis, mais je trouve que c'est mieux de ne pas le mettre. Ensuite, construction immédiate, mettez 8. Durée de pression pour modifier, les gars, vous le mettez au plus bas. Comme ça, voilà, vous n'avez pas besoin de maintenir appuyé pour rentrer en mode modification. Vibration, je vous conseille de mettre 100, voilà, les gars, c'est hyper déstabilisant les vibrations, pardon. Ensuite, sinon, pour vos touches, alors moi perso, je suis un personnalisé, mais en construction, je suis en spécialité construit. Spécialité combat, c'est bien, mais voilà, vous allez construire beaucoup moins rapidement. Je vous conseille vraiment de vous mettre en spécialité construit. Après, vous pouvez changer vos touches comme vous le souhaitez. Moi, par exemple, voilà, je modifie avec le pavé tactile. Mais voilà, mettez-vous vraiment au moins en spécialité construit. Spécialité que moi, voilà, les gars, c'est pour construire, c'est vraiment pas simple. Et vous allez être beaucoup moins rapide. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère vraiment que mes astuces, les paramètres, etc. vous serviront pour vous améliorer sur Fortnite si vous êtes un joueur manette. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. J'espère vraiment que mon commentaire ainsi que toutes les astuces vous serviront. Sur ce, Step by Game, peace tout le monde.